Je suis tout motivé, excité à être à Paris, commencer la compétition. Je pense que je suis prêt pour la compétition. Go! Oui, ça n'a pas été facile, vous savez. Je viens d'Afrique, vous allez arriver en Europe, changement de climat, la langue, je parle français, je parlais pas anglais et il fallait s'adapter avec la langue. Je n'ai pas perdu la vue de manière brusque, ça allait progressif. Actuellement, je ne vois que de la lumière, ça n'a pas été facile. Quand je suis sorti de l'école de ma formation en 2019, lui il est venu qu'il veut que je sois son guide. Donc moi, bon, je dis que bon, c'est une chance aussi pour moi d'aider quelqu'un qui vit avec un handicap, qui veut pratiquer son sport et parce qu'il a cru à moi que je peux lui amener, arriver jusqu'au sommet. J'ai rêvé d'être un grand footballeur, mais pas le destin de la vie, ça n'a pas fini. Et tellement que j'aimais le sport, j'ai supporté le travail, j'ai continué avec et je me sens bien, je continue avec et tout va bien.